Bonjour à tous et bienvenue sur Pactel d'Innocence. Très content de vous retrouver, nous sommes avec Amicia qui, toute seule comme une grande, est arrivée jusqu'ici, l'université. On doit maintenant trouver le livre pour aider Hugo à passer le premier seuil. Et franchement, elle a été courageuse, hein, parce qu'il y avait des hordes de rats, un tas de soldats de l'Inquisition, des corps partout, c'était horrible. Le chapitre précédent était vraiment très très sombre. Alors attends, on doit aller où? Je vais d'abord aller voir là-bas. Ça m'a l'air plus sombre. Eh oui, c'est un cul-de-sac. Très bien, c'est juste pour récupérer les ressources. On récupère tout ça, quoique... Est-ce qu'on peut couper? C'est fermé. Parce que je me disais que ça allait nous amener dans la même salle, mais non. Évidemment, là aussi c'est fermé. Je m'en serais douté. Eh bien, on continue. Alors, Lucas nous a dit qu'on devait suivre au sous-sol. Donc on y est, hein. Le chemin des roses. C'est immense. Mais où sont passés les livres? Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, hein. Normalement, il devrait y avoir des soldats de l'Inquisition, hein, parce qu'on avait plein à l'extérieur, donc forcément... Je pense que ça va fourmiller à l'intérieur. Mais regardez-moi ça, comment c'est joli! Intérieur comme extérieur, hein. Franchement, ils nous proposent un jeu de fous furieux. Bravo à Asobo, hein. Les bannières, des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ah, les voilà les roses. Eh bien, allez. Ça fait combien de jours? J'entends des voix. Arrêtez de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. Aucun rat? Vitalis, c'est étrange. Ouvrir la dernière porte. Comment ça, aucun rat? Bah, comment on va faire alors? Et c'est le grand inquisiteur. Je vais devoir m'en occuper tout seul comme un grand? D'accord. Par contre, c'est bizarre, on nous file ce genre de ressources. Donc ça, c'est pour les Odoris. D'ailleurs, je vais en faire en plus, tiens. Attends, je suis dans le menu fabrication. Je vais en faire quelques-uns, comme ça, moi, je pourrais récupérer toutes tes ressources. Ça va libérer de la place. Par contre, mixture, là, j'en ai zéro, ce qui est un peu embêtant. Ah, ça consomme de la pierre? Ah ouais. L'Odoris, on use des pierres. N'oublions pas qu'on peut effectivement esquiver. Je le fais jamais. Mais en combat, ça peut être bien. Du tissu. Alors attends, je m'occupe d'abord de lui. Hein. Par contre, l'autre, il est parti où? Ils étaient bien deux. Ouais, il a dû passer la porte. Bah, s'il est tout seul, hein. S'il est tout seul, on s'embête pas. Bah ouais. Bon, par contre, je suis pas très silencieux. Hein. Mais ça, ça me caractérise. Vous me connaissez. Alors, on a une caisse. Du soufre. Merci, monsieur. Je fouille un peu dans les différents rayons parce qu'à mon avis... Il devrait y avoir des ressources. Ça m'a déjà épaté de ne pas en avoir vu dans la pièce d'avant. Que dalle. Eh ben ils sont pas généreux, c'est fou, hein. Ah, tiens, ça brille. Ah, mais parfois je peux les louper parce que je regarde en un coup d'œil, mais ça se trouve, ils mettent peut-être une seconde ou deux pour briller, tu vois. Bon, au pire, c'est pas non plus trop grave, hein. Si j'en loupe quelques-unes, j'en ai quand même beaucoup. Régulièrement. Eh bien, allez. Je pousse le truc où? Logiquement, c'est pour monter là. Ah, c'est là-bas. Super. Allons-y. En tout cas, ouais, jusqu'à présent, jeu vraiment agréable. En termes de narration, c'est vraiment très, très soigné. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on comprend tout. Tu vois? Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les séries et les films qui se la racontent, qui te font un truc super compliqué. Je ne citerai pas d'exemple parce que voilà, vous les connaissez tous. Mais sincèrement, très agréable parce que le scénario est pas dur à comprendre, mais vraiment très beau. Tu vois? Alors, de l'autre côté, je suppose qu'il y a un truc. Et alors, je suis pressé de mettre les mains sur Requiem. Hein. Requiem qui sera normalement dans le Game Pass, hein, si je ne dis pas de conneries, hein, dès la sortie. Il me semble. Ou peut-être que j'ai une connerie. Allez. En tout cas, le Game Pass, c'est tellement bien. D'ailleurs, ce Innocence est dans le Game Pass. Vous avez assez de livres ou je vous en mets plus? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire... Ah, c'est de la lecture païenne, tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient... Et ce savoir est toujours... Alors continue de fouiller et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre, la couverture rouge, ouais. Il le cherche aussi. Je dois faire vite. Ah oui, je dois le récupérer avant eux. C'est mon livre. Ça, je peux pas le prendre. Attends, si je fabriquais un peu plus, hein. Peut-être que je pourrais. Ok. Et voilà, tu vois. Pas de gaspillage.
Je vais commencer par lui là-bas plutôt, hein. Parce que lui, c'est le costaud. Un peu compliqué. Attention. Est-ce que je peux me déplacer là? Tu penses qu'il me voit? Non. Oh, je suis juste derrière. C'est ouf. Attends, est-ce que j'ai... Ah non, j'ai pas. Je peux pas l'endormir. Bon. Eh ben, quand c'est comme ça... Autre solution. L'action. De quoi? Non. Vite. C'est bon, je l'ai eu. L'autre, par contre, c'est Dévorantis. Hein. On est OK? Dévorantis. Vite. Allez. Ça gère, et après la tête. C'est chaud, hein? Un peu tendu. Et boum. Allez. Situation délicate, bien gérée. Par Amicia. Elle est forte, hein, quand même. Alors, mais faut rester à distance. Vraiment. À tout prix. Ouais, ouais, ouais. Donc là, est-ce que je trouve le livre? Non, je pense que c'est beaucoup plus loin. Ça sert à rien de chercher, hein. Ah, il y a de la ressource là-bas de l'autre côté. Hop, hop, hop. Par contre, je suis pas gaffe. Je cours alors qu'il y a des ennemis derrière moi. Je suis un peu taré, non? Doucement. Pour moi, c'est putain de race. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Effectivement. Il y a des roses là-bas. Cailloux. Alors attends, 1, 2, ils sont que deux? Ah, et là-bas, il y a un truc, il y a des ressources là, et il y a un truc pour la lumière. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Quoi, les voilà? Ah, les rats là-bas. Encore je les entends. Idée d'alchimiste. D'accord. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Je vais récupérer les ressources. Au bastion, je peux pas, d'accord. Où j'ose plus aller. Je vais essayer de pas les réveiller. Allez, est-ce que les rats, faut les faire venir, dis-moi? Je pense pas, il y a de la lumière. Putain, le bruit qu'ils font, ça me fait froid dans le dos. L'autre, est-ce qu'il n'y a pas à me remarquer, par contre? Si je suis là. De toute façon, je suis pas récupéré, je suis full, là. La lumière, je dois... Ah oui! D'accord, trop bien. Je vois ce qu'on va faire. Allez, les rats. On sort d'ici. Énorme. Faites-vous plaisir. Bon, par contre, je reste dans la lumière, hein. Je suis pas fou, hein. Et là, maintenant que j'ai fait ça, je peux l'attirer sur les autres. Ah oui, j'ai compris. Trop cool. Allez. Doucement, quand même. Calme-toi. D'abord sur lui là-bas. Et... Là. Allez-y. Et sur lui aussi, bien sûr. Allez-y. C'est tellement bien. Oh là 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 là. C'est le pied. D'accord. Fais voir niveau amélioration d'ailleurs. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Durée de l'effet. Tiens, j'améliorerai ça. Tant mieux. Ça, ça va me simplifier la vie. Bon, rien d'autre, mais c'est déjà bien. Dévorantis, très utile hein, pour ceux qui ont des casques. Ça les dévore. Odoris, je m'en fais plein, parce que j'ai l'impression qu'effectivement c'est une zone. On va beaucoup s'en servir. Donc attends, essaye de me déplacer par là. Attention aux rats. Ah mais quoi que non, parce qu'ils bouffent le... Ils bouffent les autres monsieur là. Y'a un truc par là d'ailleurs? Bah oui, regarde. Une marguerite. T'es loin de ta maison toi aussi, hein. Porte-moi chance. On fait ça pour Hugo. Ah, depuis le début, les fleurs, c'est toujours Hugo qui me les avait mises. J'ai eu peur, je pensais qu'ils allaient tous me foncer dessus, mais non, ils sont toujours concentrés sur les deux corps, là. Maintenant. T'es sûr que vous êtes bien concentrés là-dessus, les gars? Tranquille, hein. Comment je fais pour les séparer? Non, mais là, j'y vais pas, hein. Attends. Est-ce que... À la limite, je peux les éliminer? Ah bah non, parce que j'ai pas le truc. Mais, il n'y avait pas une histoire comme quoi on pouvait... Je vais les attirer ailleurs, je suis trop con moi. J'ai oublié. Attends. Non? Attends, ici. Ah merde. Bon bah... Passer sur les côtés alors. Non mais je suppose qu'on peut y aller là. Hein. J'ai usé de munitions pour rien. Ridicule. Non parce que j'aime pas trop passer à côté, moi ça me fait peur. Est-ce qu'il va finir par recouvrir le monde? Ficelle. Du cuir. Allez, pour aller mettre encore plus en avant, ça m'arrangerait. Parce que parfois on peut les louper. Hein. Attention, vas-y doucement quand même. Là on peut pas y aller. Donc on fait le tour. Ouais, rien du tout, il y a un ennemi dans l'autre pièce.
J'ai vu le petit bord blanc. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un gueux pareil. Un prisonnier. Eh ben, ils vont peut-être enfin ouvrir cette porte. Je peux pas passer par ici. Il y a trop de gardes. J'aurais dû garder de l'alcool, par contre. Parce que là, je peux même plus endormir quelqu'un et j'aime bien voir la sécurité, tu vois. J'imagine ce que ça oh non, peut un mec avec un bouclier, oh c'est horrible. Ce trou sert plus. Ils sont trop forts. Ils l'ont bouché, tu vois pas. Je peux y aller. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ouais, je peux y aller. Ah yes, plus deux. Mais ça va pas suffire. Il en faut encore deux autres. Putain, si je peux endormir personne, là. Des pierres. Ou alors faire le tour. Tu penses qu'il me voit, lui? Ah oui, c'est sûr. Faut attirer là-bas. J'ai compris. Donc. Attends, mais on peut rester, il me semble, placé ici. Et là, on envoie la pierre directement, non? Oui, voilà. Allez. Retournez-vous. Allons voir. Fais attention. Petit chevalier. Ouais, donc en fait, c'est bon, pas besoin de somnum. Mais là, je peux en faire. Fabrication. Rien à voir ouais, trop important d'en avoir au moins un de côté. Si on se fait toucher, tu vois. Si on se fait choper. Oh, c'est joli. Alors. Ne pas faire de bruit, parce que par contre, ils sont à côté, hein. Il y a les rats. On va leur envoyer dessus. Oh là là, c'est trop bien. Allez. Allez-y, mes petits. Attends, faire tourner comme ça. Voilà. Faites-vous plaisir. Maintenant qu'on a fait ça. Ouais, ils nous font jouer avec l'Odoris. C'est tellement bien. D'abord sur le grand garçon, là. Allez-y. Je vous en prie. Et sur lui aussi. Voilà. Oh là 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 là. T'as quand tu sais le mec au bouclier comment il nous a fait souffrir dans l'épisode d'avant. Ça fait vraiment du bien de le tuer aussi facilement. Le panard. Alors tu vois, je bloque le passage. Voilà, comme ça au moins ils peuvent plus rentrer là. Faut voir en fait c'est Projo comme un blocage quoi, comme un bouclier. Ok. On continue. J'ai pas vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. Ouais, là on avance un petit peu dans l'ombre. Dans le brouillard, on ne sait pas où l'on va. On prie juste pour que ce soit... pour qu'on soit dans la bonne direction. Oh, un outil, super, ça m'en fait bah, un seul, d'accord. Fais voir. Amélioration. La poche, ou alors récipient. Peut utiliser sa fronde pour lancer un luminosa. Ah oui, ça c'est bien. Je prends ça. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on peut donc éclairer directement. On peut tuer les rats directement avec la fronde. Mais du coup, quel est l'intérêt? Ouais. J'ai un petit doute d'un coup là qui m'envahit. Je peux pas faire le somnum. Je vais me faire. Non, mais ça suffit ce que j'ai en haut. Je vais garder mon alcool et tout pour. Pour justement les mixtures. Je sais pas si je dois aller là-bas. Ouais, si, ça c'est un cul-de-sac. Souvent dans les jeux ça m'énerve parce que tu vois, on a deux chemins. Il y a forcément un chemin qui est secondaire et l'autre principal. Et souvent je me trompe. Donc là j'essaye de m'arrêter deux secondes et de réfléchir un petit peu. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénévent. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois,
ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épisanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Oh, c'est un vieux méchant pas beau. Vite, je dois pas les perdre. D'accord. Ah, c'est bien gentil. Non, mais je pense qu'on a le temps, hein. Y a pas de timing, hein, de toute façon. Suivre le prisonnier. Ouais, je suis un peu loin, quand même. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisode. Ouais, de toute façon, c'est pas un jeu dans lequel faut aller vite, hein. Tant que sa foi le lui permet. C'est le monsieur du cimetière, ça, non ? Non. Il est parti devant. Alors ? Bon, lui, c'est un classique, hein. Ils sont deux, j'avais pas vu. Non, je peux l'endormir, mais j'aime bien garder ce truc-là. À la limite, je les esquive juste. C'est mieux, hein. Plutôt que de se montrer. Ah, mais je vais louper des ressources, par contre. Ah ouais, de l'alcool. Trop bien. Ok, j'en prends un petit peu. Si je passe là, est-ce qu'on me remarque ? Non. Là par contre, c'est sûr. Ah, il a quelque chose vers lui. Ah, j'ai envie, hein. C'était quoi ? Ça c'est a quoi ? Bougé. Allez. Dégage. Ça venait d'ici ? Ben oui, c'est moi, mon grand. Voilà. Parce qu'en fait, on a que deux ennemis dans cette salle et les autres, bah, ça éveille pas leurs soupçons. Donc je me dis que j'ai pas envie de louper les ressources, quoi, tu vois. Autant me débarrasser de ces mecs. Bon, je suis un peu long à la détente, hein. Je réfléchis pendant 5 ans à me dire, moi, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Bon, je pense que je suis pas le seul joueur qui soit comme ça, hein, mais bon. Il y a un temps d'hésitation à chaque fois. Et pour pas grand-chose, en plus, hein, tu vois, parce qu'il y avait pas beaucoup d'autres ressources. J'aurais pu passer incognito. Sans faire de bruit. Allez. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Les gaillards, mais crois-moi, une fois qu'on aura taillé assez profond. Chialera comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Hein ? J'ai merdé. Ah, mais il en restait un. Je savais pas. Bon. Tu n'as rien vu. Et il dit, bon. Allez, tourne les talons. Est-ce qu'il faut que je la tire ailleurs ? Non, je pense que je passe là. Ah non, je passe pas. Ok, bon, au pire, dévorantis, c'est hop, hein. Ou alors tu tires une pierre ailleurs, genre là-bas, ça peut le faire, tire un peu plus loin, attends, voilà. Ça marche pas ? Ah, il s'en bat les steaks, ok. Quoi ? Bon allez, je n'ai marre de ta tronche tard. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ils sont un peu loin à la détente quand même. Et clac. Est-ce que t'as un truc pour moi ? Non, j'ai déjà ce qu'il faut. Et je vais le garder le reste. Hein. Bon, maintenant je peux courir. C'est nawak. J'ai récupéré pas mal d'alcool. Ça te rappelle ton père ? Inventaire plein, pas ah, zut. Ton père, t'as compris ? Oh, vraiment ? Tu veux jouer à ça ? Bon, je crois que le gros costaud avec la masse, faut peut-être pas l'attaquer tout de suite. Hein. Je pense pas qu'on puisse le tuer. Il faut avoir une stratégie particulière.
C'est pas un ennemi comme les autres, celui-là. Allez au travail! Vous avez ruiné le sol! Une armure lourde! Ah, il doit y avoir un moyen! Ouais, un moyen, mais lequel? Sauver le prisonnier. Bah, juste endormir, peut-être, non? Ou attirer les rats? Le faire tomber? Je sais pas. C'est pas ça. On peut pas l'endormir, hey, tu vois, y a pas le bouton. On a besoin de... Y a pas le bouton, donc qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais à Dévorantis, on va essayer, mais c'est chaud. Le lustre! Bordel de cul. Hop là! Impeccable. Lui, est-ce qu'il est avec un casque là-bas? J'ai pas quitté. Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hé, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Ah, d'accord. Faut que j'y atteigne beaucoup, beaucoup. Je veux pas te presser. C'est chaud, hein. Mais il continue d'arriver, et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. En face? Ah oui. C'est que des petits, ça va. Allez. Il me reste 11 pierres, bonhomme. L'alerte est donnée. C'est bon? Ils vont plus nous lâcher. Attends, ressources. Vite! Je prends trop de risques. Il me semble en avoir loupé une ou deux avant, mais c'est pas grave. Oh là là, on est poursuivi. Allez, forgeron, avance. Réfléchis pas, cours! Un seul cul-de-sac et on est fichu. T'es très rassurante, toi. Il faut qu'on se planque. Non, il faut qu'on les ralentisse. Et comment on va faire? Ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Rodrigue, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Attends, laisse-moi fabriquer quelques petites choses. Amélioration, je peux pas. Par contre, je vais faire un Luminosa. Déjà, c'est bien. Et le reste, non. Je fabrique pas. Mais du coup, je peux prendre les deux ressources. Faut en garder un peu de côté. Pouvoir tout fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, lustre. Wow. Une autre bibliothèque. Sous la bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde! Là-haut! Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Alors, j'ai vu un truc pour monter de l'autre côté. Ouais, en fait, faut lever ça. Je sais pas si on va pouvoir faire ça. Attends, admettons, est-ce que je peux l'enlever à la main? Oh, bah non, ça va être bloqué. Elle est coincée. D'accord. Donc faut utiliser ces trucs, sûrement. Un coup de main? Ça marche. Ça marche. Allez. Intéressant. Ça se lève bien. Ton chemin jusqu'au livre. Facile. Facile, facile. Donc on a ici une énigme, si j'ai bien compris. Ah mais le problème c'est que voilà. Trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. C'est-à-dire. Attends, admettons que je viens là. Celui-là. Maintenant. Ouais. Il va y avoir un ordre, hein. D'accord. Tu lâches pas, hein. T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids. Ça a lâché. Bon. Va falloir être très prudent. C'était chaud chaud. Donc déjà, je peux monter ici. On va voir si on a d'autres, hein. Enfin, il y en aura forcément d'autres, vu qu'il y a d'autres trucs. D'autres manivelles. Voilà. Attends, il y a un passage, là. Qu'est-ce qu'il y a, ici? Oh. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. Un outil, super. Alors, qui dit outil, dit fabrication, mais bon, pour l'instant, rien de particulier. Alors, attends, je regarde juste un peu le reste de la pièce.
Ouais. Bon, on va déjà monter par là, on verra bien. Première étape. Faisons les choses dans l'ordre. Au fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Rodrigue, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Une sorte de moine. Pas bavard. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Alors là, est-ce que tu peux éventuellement... Rodrigue ? Baisser celui-là. Voilà, comme ça, moi, je peux aller plus loin. Et j'ai fait descendre une caisse. On verra à quoi elle nous sert après. Allez, je me grouille. C'est jamais ça lâche. Et maintenant, j'aimerais bien que tu fasses celui-là, là-bas. Ah bah non, parce que c'est l'autre, du coup, que ça va faire descendre. Admettons. Arrête. Ah voilà, ça redescend. Très bien. Et maintenant, le dernier, c'est celui-là. Maintenant. On fait le tour, hein. Comme ça, je pourrais aller jusqu'au rose. Mais à quoi me servirait la caisse là-bas que j'ai fait descendre? Où sont les soldats? Elle me servira forcément à un truc. Ok. Là, je vais remonter. Ouais, je vais pouvoir continuer après, logiquement. Bouge, lâche. Amicia, tu gênes. Ah, mais du coup, je peux aller plus loin? Bah ouais, mais comment on fait alors? En fait, c'est l'inconnu, c'est la caisse. Voilà, je comprends pas. Ah oui, mais ça remonte de l'autre côté. En fait, faudrait pouvoir bloquer. C'est quand c'est comme ça? Oh là là, mais oui. Mais oui, mais oui, je l'avais juste pas mis dans la bonne position. D'accord. Quelque chose dessous pour l'empêcher de descendre. Ouais, bah je sais, bah tu aurais pas pu me le dire un petit peu avant, hein? Allez. J'ai compris tout seul, hein. 5 minutes plus tard, quoi. Voilà, et là maintenant qu'on refera ça, redescendre. C'est pas de l'amour. Regarde. Allez. Voilà, ce sera bloqué. Parfait. Ce sera bloqué. Je dois refaire tout le tour, hein. C'est terrible. On a compris le principe en tout cas. Phew. Allez. Bon, c'est pas des énigmes hyper, hyper poussées non plus, hein, on va pas se mentir. C'est parti. Allez, recoupe-toi de celui-là. Fais descendre. Maintenant. S'il te plaît. Surtout, prends ton temps. Oh, le coup du lustre qu'on a fait tomber tout à l'heure sur l'ennemi, c'était cool. J'y avais pas pensé. Est-ce qu'on va battre une cuirasse épaisse comme ça? Bonjour. Arrête. D'accord. Voilà, ouais, tu fais comme ça me fait redescendre, c'est vrai. Et là, je peux y aller. Normalement. Voilà. Le chemin est tout tracé. J'y suis. J'y suis presque. Allez. Ça fait trop longtemps qu'on est là. Le livre. Le voilà. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es, Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petit idiot. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. C'est tellement incroyable. Bon allez, je perds pas de temps à fouiller, parce que là on est poursuivi. Il faut fuir. Quittons la zone. Cette zone de misère. On va être la foire là derrière. T'es prête? Oui, j'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez! Où sont mortels? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. Oh non.
Ils sont partis à gauche, hein. Comment les choses sont. Il y a un gros costaud. On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Ça me fait plaisir, j'aime bien comme il dit. Lorsque l'icône s'affiche, appuyez sur demander à Rodrigue de se débarrasser discrètement d'un ennemi. Rodrigue, à toi. Je t'en prie. Ça, c'est pour mon père. Waouh. Tu fais ça souvent? Non. Mais j'y prends goût. Oula, calme-toi tout de même, hein. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici. Je t'es pas censé être le méchant de l'histoire, hein. Tiens-moi au courant. Caillou. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Faire diversion. Attends, bouge pas. Amélioration. J'ai rien. Je voulais vérifier. Maintenant que c'est accessible rapidement, j'aime bien. Il est où l'ennemi? Ah oui, c'est le costaud. Tu veux que j'emmène où? Par ici. Et je fais diversion comment? Parce que j'ai pas de peau, en l'occurrence. Et regarde dans notre direction, là. Je crois. Ouais, ouais. Allez, tourne-toi. Y a pas... Ah oui, là-bas pour faire diversion, pardon. J'avais pas vu. Hop là. C'était quoi ce vacarme? Rodrigue. Je t'en prie. C'est pour toi. Tu vas me le payer. Fais-toi plaisir. Ah, c'est marrant quand même. Peu importe l'ennemi, il s'en charge. Tu peux me croire. Ah bah ça je te crois, hein, j'ai entendu. Alors. Lucas. Nouveau cadeau. Il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Pierre de lecture. Doucement. À gauche là-bas. Derrière. Il y a rien. Alors casque est normal. Comme ça, on s'en prend un chacun. Ça te dit? Faut bien qu'il fasse celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. D'accord. Occupe-toi de lui. Tu me le diras pas deux fois. Attends. Oh, vous allez payer. Ah, attends. J'y suis peut-être. Tu me prends pour qui, toi? Parfait. C'est bon. Est-ce que tout va bien? Un grand coup. Pas une égratignure. Chou, j'ai été un peu lente. J'ai oublié que moi je devais tirer avec la fronde. Parce que lui il y va comme ça, c'est plus facile, tu vois. Ah, attends. Sur les bancs. Des pierres. On est full comme ça, parfait. On refait le plein. Doucement. Oh, dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Ah! De l'air. Ça sent. La cheminée. La cheminée. Oh, merde. Oh non, un incendie. Oh merde. C'est nous qui avons... Propage. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur? J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Le bazar de la charité. Les rats, le bouclier, il est intouchable, Rodrigue. Attends, quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ah. Ça vaut le coup d'essayer. Vous pouvez désormais fabriquer de l'Extinguis. Maintenez RB, ouvrez le menu de sélection. Et il nous restera encore un slot. Éteins les feux touchés. Ça, c'est incroyable. Enfin, tout est incroyable. Allez. Il suffit de viser le feu. Ça, c'est enfoiré, quand même. Eh bien, allez. Ah, ça marche trop bien. Énorme. Surtout pour eux. Est-ce qu'on peut recommencer le jeu, genre un New Game Plus, avec tous les powers après? C'est possible, hein? Franchement, je le ferai avec plaisir. Y'a un truc, là? Non! Attends. Des salauds. C'est pas ce que je voulais du tout, mais bon. Heureusement que je m'étais fabriqué un... Luminosa. J'ai merdé. Ah oui, t'approches un peu trop près des rats. Ils se focusent plus sur le corps de l'autre, mais sur le tien. C'est le risque. Et vu qu'il y avait un objet, bon, en plus j'ai même pas récupéré l'objet, il me semble. Brûlé. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer. Alors. Si je les chope. Attends, je récupère ça.
Là aussi, j'ai quelques ressources. Éteindre le feu. Est-ce qu'on peut éteindre le feu de sa torche? Bah oui. Trouve. Oh là là là. C'est sanguinaire quand même. Hein. J'aime beaucoup. Bon là par contre, je me rapproche plus des rats. Hein. C'est fini. Hein. J'ai compris. Hein. Même pas en rêve. Même s'il a un objet. On peut la tirer là-bas. Il prend feu. Il est con lui un peu. Ça va ? Il y a encore du monde dedans ? Arrête de crier comme une fillette. On peut se défaire à deux, à la limite c'est vrai que... J'ai cru que j'y passais. Avec Roddy qu'on peut se faire plaisir. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Je vais essayer de jouer plutôt avec les rats, moi. Deux gardes. On doit en faire bouger un. Ouais, ça j'ai compris. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Pierre. Ce bruit, ça venait de là-bas. C'est le petit qui va bouger. Je vais dire à Rodrigue de s'en occuper. Je m'embête pas, hein. Je t'en prie. Tu peux t'occuper de lui. Toi, t'es fini. Je sais que ça te fait plaisir. Brisage de nuque en règle. Je sais qu'il encaisserait plus que ça. Il est faible. Et donc maintenant, pour le petit dernier, lui, on va l'emmener où? Tu penses qu'on peut l'attirer aussi? Attends. Ah oui, je peux l'attirer là et ça éteindra le feu, non? Non, il vient pas. Dommage. Bon, les rats, ils restent dans cette zone. Même du coup, le mec, je sais pas trop comment on va le battre. Maintenant qu'on a fait ça, admettons, j'éteins le feu là-bas. Qu'est-ce que ça... Ah, ça l'attire, du coup. Et ben là, je peux lui tirer un odoris, non? Ah non, ou alors... Attends. Alors... Fais voir si c'est ça. Ah oui! Oh, bien joué! Alors, on pouvait le faire soit avec Roderick, soit faire comme ça. Ouais. C'est très sympa. Attends, je vais récupérer ça. C'est juste des pierres. Hein. Et également ceci. Ça me fait quelques réserves. Alcool, attends, est-ce que je peux me refaire un petit peu de somnum? Non. Inventaire plein. Ah oui, c'est vrai. Faudra qu'on vide. Allez. Je rentre. On doit vraiment entrer là-dedans. Ouais, si tu veux. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! Amicia, apprenti pompier. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupes pas d'eux. Fuyez, les enfants. À l'aide. J'ai besoin d'aide ici. Allez, allez. On ne s'arrête pas. Tu m'entends avec toi? Ils sont loin ou pas? Ouais, ça va. Dérouillé. Ça brûle derrière. T'approche pas. Qu'est-ce que tu fais? L'ouvre. Rodrigue, est-ce que ça va? Cours. Ça a dû cramer, hein. À gauche. Tout s'effondre. Allez, par ici. Chemin des Roses, chapitre terminé. Maintenant, Envie, chapitre 11. Regarde, la voilà! Amicia! Vous avez réussi? Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. C'est qui lui? Rodrigue, mais chut. Oh, le Sanguinis Itinera. Ça raconte quoi ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table,
On l'a bien mérité. Toi aussi ? J'arrive. Un livre mythique, sacré. J'espère que ça va marcher. Hein. 3 semaines plus tard. Décembre 1348. Il neige. Non, non, non ! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça. Eh, est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte ? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière ? Eh ben, Hugo dort, alors... Allons jeter un coup d'œil. Ça, au moins, je sais le faire. Oh, le bourrin. Et voilà. Eh ben, c'était efficace. Et presque sans douleur. Allez, en avant. Oh, tu sens ça ? Non, quoi ? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps, il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière ? Non, non, des pierres. C'est comme surprendre une conversation. Hmm ? C'est la première fois que je le sens ici. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue ? Bien sûr. Voyons où ça nous mène. Oh, c'est la cour. Ça fera un raccourci. Un établi. Ah, je peux faire récipient, lancer à la main. Oh, ah oui, bien. Oublié. Prends ça. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la... Pourrait l'endormir de... Pas mal. De loin, donc, l'ennemi. Pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est mignon, c'est joli. Il est parti où ? Là ? Je suppose. Alcool. Ah non, je pense que je me suis aventuré ailleurs. Il est pas parti ici. Hein. Bon, bah, tant mieux, comme ça je récupère des choses, à la limite. Donc alors hier, j'ai pu voir quelques commentaires qui me disaient « Mais Galax, 49 minutes de vidéo, c'était hyper court !» Parce que c'est vrai que les épisodes d'avant, bon, il y en avait un d'une heure et demie, l'autre d'une heure et quart, 1h20. Alors, c'est vrai que ça peut paraître court par rapport à d'autres vidéos de la chaîne, mais par contre, attention, plus d'une demi-heure, c'est déjà des longues vidéos. Hein. Je vous rappelle qu'en 2022, on est à l'heure de TikTok. Hein. Donc non, déjà 40-50 minutes de vidéo, c'est un long format. Hein. C'est juste qu'une heure et demie, bah, c'est abusé, quoi. Moi, je suis dans l'abus, hein, depuis longtemps. Mais déjà, sachez qu'il y a du boulot. Pour 50 minutes de vidéo, ça se fait pas comme ça. Bon, ça, je m'en sers plus. C'est bon, c'était juste pour virer les reins. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais le temps que ça m'a pris pour déblayer tout ça ? Et puis, la durée ne veut pas dire meilleure vidéo. Une fresque ? C'est... Ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple ? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia ! Viens vite ! C'est Hugo ! Oh non ! J'arrive ! T'as besoin de moi ? Je t'appellerai ! Allez ! Allez ! Je me dépêche. J'arrive le plus vite possible. Je suis là, Lucas ! Vite ! Hugo ! Oh mon Dieu ! C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. Je fais de mon mieux. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius ? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia ! Lucas ! Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Mélie ! Tu l'as retrouvée ? Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques,
j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie. Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile, crois-moi. Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il... la questionne. Régulièrement. Il la... torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourra l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir ? Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non ! Hugo ! Hugo ! Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi ! Maintenant ! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis Itinera, quelques potions, et on y va. Incroyable ! La mère est vivante ! Waouh ! Chapitre 12. Tout ce qu'il reste. Mais en même temps, ouais, parce qu'ils l'ont pas montré au début, ils ont juste montré l'épée qui a traversé la porte. Mais pas la mère. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre ? Oui. C'est seulement... enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. On ne peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme ? Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là ? Soyons prudents. Ok, un petit feu. Bon, il y aura pas de rats dans cette zone, hein. Est-ce que les rats sortent en plein hiver ? Ne tombe pas. C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des rats ! Attention, Lucas ! Mais... qu'est-ce qui leur prend ? Je sais pas, ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est bizarre. Ah ouais, très bizarre. On peut faire quoi avec ça, hein ? C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas ? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens. Il y a forcément une raison. Oui, bon, arrête de chercher, hein. On doit vite aller à la maison. Oh là ! Reste dans la lumière. Si je monte les ici. On a fui la maison avec Hugo. Quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que. C'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Mais leur comportement est pour le moins étrange. Rod la lumière, on pouvait descendre, non ? Oui, mais bon... Ah. D'accord, j'ai compris. Faut casser ça, et ça va tous les éclairer. C'est chez moi. Cadeau de la maison. Vous entendez ? Chez moi. C'est ma maison. Allez. Retour à la case départ. Encore des rats. Le domaine est droit devant. Ah, d'accord, la faut allumer. Écartez-vous. Ah, mais il y en a à l'intérieur aussi. C'est chiant. C'est pas ici que je dois aller de façon. Traverse vite. Ah, une porte. Oui, bah j'ai vu. Merci. Oh, fermé. Il y a une chaîne de l'autre côté. Et attends, alors comment on fait ? La lanterne ! Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. D'accord, j'ai compris.
Hop là, bien dans la lumière. Hein. C'est parti, tu peux avancer. D'accord, je reste dans le rayon. Hein. Tu me lâches pas, hein. Je m'en sortirai pas ici sans toi. Allez. Doucement, doucement, doucement. Hé, hey, oh, oh. Ah mais d'accord, il me suit moi. Ok. Ça oh, marche oh, bien, leur système. J'y suis. C'est ouf. N'oublie pas. Ok, voilà, déjà, je peux m'occuper de ça. Avec la fronde ? D'accord. J'aurais pu rester là-bas. Merci. Et voilà. Il n'y a pas des ressources sur les animaux, là, non, j'ai pas l'impression. Lucas, allez. On n'est pas seul. Oh. On va les bloquer. Oula, par contre. Ouais, voilà. Ah, j'en ai cramé quelques-uns. Regarde, il est encore en vie. Quelqu'un, à l'aide, les rats. Alors, toi. Toi, par contre. Je n'ai aucune pitié. Je peux pas éteindre. Je voulais. Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Hé, hey, pitié de moi. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. Eh bien, on continue, du coup. Il y a des choses à récupérer là-dedans. D'accord. Et maintenant, comment je fais pour continuer? Parce que les rats vont me sauter dessus. Il est pas encore dead, lui? Attends. Ah d'accord, fallait s'en débarrasser, en fait. Si j'ai il bien compris. Il a eu son compte. Amicia. Hé hey, t'es encore là? Hé hey, réponds-moi. Il y en a un autre. Alors, il y en a un autre, mais je sais toujours pas comment je traverse. Attends, c'est pas un truc à allumer, ça, là-bas? Je vais voir si je prends l'inifer. Non. Ah, j'ai pas vu. Ouais, mais bon, c'est plus loin. Ah bah attends, je suis con, c'est vrai que je peux utiliser mes trucs. J'y pense jamais. Allez, Luminosa, je vais me débarrasser de ceux qui sont juste là. Allez. Ça vient vous calmer. On passe en face. Parfait. Salaud. Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai vengé les miens. Tu paieras pour ça. J'ai déjà payé par votre faute. Mais je refuse de perdre plus. Il n'était pas dangereux. C'est plus sûr comme ça. De toute façon, il allait mourir. Bah eux, pareil. Hein. Eux, pareil, je vais en refaire une, Luminosa. Hop là. Je vais en face. Un atelier. Là-dedans. Attention, je suis dans l'ombre, là. C'est bon. Du feu juste à côté. Dangereux, cette petite saloperie, quand même. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Amélioration, non. Fabrication, on verra après. Là, je peux pas traverser. Hein. Il me faut de la lumière pour aller plus loin. Donc, il faut que je fasse un truc comme ça. Allez, go. Lumière. On y est. Lucas, derrière cette porte. Je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mon Dieu, est-ce que c'est réel? Ma maison. C'est encore là-bas? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. Est-ce que c'est ton père? Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? C'est quoi ça? Lucas! J'en sais rien. Repousse-les! L'inifère! D'accord. D'accord, inifère.
Là-bas. En plus, ils prennent des formes. Sans déconner. Qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. Continue de tirer. Ok. Impressionnant. On va trouver un abri. Où tu veux qu'on aille? Ils sont partout. Tu préfères rester ici? Je vais pas tenir longtemps comme ça. Ils viennent comme une tornade. D'accord, faut aller là-bas. Comment je fais? On avance? Bon, on y va? Est-ce que c'est fini? On dirait. Tu nous as sauvé la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. Mais quelle angoisse! D'accord. Allez, file-moi ça. Fais-nous guider. Merci. C'est tellement impressionnant, là. Alors attends, est-ce que je peux venir voir ici? Père! Ils ont pris son corps. Ils me l'ont pris. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû... Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites qu'il repose en paix. C'est incroyable, hein. Triste. Et alors, ça formait des tourbillons, là. C'était chelou. T'as les rats qui se mettent à attaquer, quoi. Ils sont possédés. Ce cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais, la brisure, ces remous continuent de se propager dans le temps. Ah ouais. Attends, je vais récupérer, là il y a quelque chose. Voilà. Là, il y a des crânes partout. Eh bien, c'était ma belle maison. Voilà maintenant à quoi elle ressemble. Elle aussi? Oui, il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bah écoute, peut-être que les rats préfèrent les pauvres, hein. Si tu veux que je te dise. On va faire les servants aux nobles, hein, quoi. On y est, c'est là-haut. On met la torche. Bien, je vais te faire monter. J'arrive. T'as fait sombre là, par contre, j'aime pas trop. Oh, attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. D'accord. Ils vont vers sa chambre. Faut peut-être pas trop se rapprocher, non? Attends, je vais allumer là. Je peux pas? Attends. Ah bon? Bah attends. Je peux plus utiliser la fronde. Je l'ai plus? Les potions pour Hugo doivent être là. Ah ouais, c'est là où était la mère au début. Première fois qu'on la voit. Lucas, tu as vu ces pots? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Alors. On va fouiller, hein. On revient à la maison du début, mais vraiment... Oui, c'est la chambre d'Hugo. C'est plus la même chose. Allons-y. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Oh, non, Lucas. Rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte? Non, c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non, tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Ça un me dit rien. Opus magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines.
Elle disait que c'était dangereux. Des ruines romaines. Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y. Ah, nice. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, oui, on s'arrête un petit peu en plein milieu dans la maison. Non, pas par là. Je vais juste fouiller ça. Mais la vidéo dure à peu près une heure. Peut-être un tout petit peu moins. Et c'est parfait pour moi. Merci encore, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner, on a appris plein de choses. Maman est vivante. Hugo va mal, mais j'espère vraiment qu'on va réussir à le guérir. Waouh, le sang qui dégouline. Dégueu. Sur ce, sur cette bonne note, on se dit à très vite. Ciao, ciao.